En secondaire, j'étais un cancre, j'étais très très mauvais. Et tous mes profs au secondaire m'avaient toujours dit « tu vas voir à l'université ». J'avais tellement la trouille en arrivant à l'université que je me suis mis à bosser comme un fou. Et donc du coup, en secondaire, pas sérieux du tout, à l'université, beaucoup trop sérieux. Souvent, quand je découvre des choses, je suis tout excité. Je veux pouvoir le raconter. Et quand on est enseignant, on peut le raconter. Par rapport au chercheur qui va écrire un article qui va sortir 3 ans après, et on ne saura jamais vraiment combien de personnes l'ont lu. Non, hors de question. Toutes les questions d'examen posées par le passé sont sur l'université virtuelle. C'est l'avenir, et ben, sont dans le plus secret de ma tête. À mon époque, c'était un bon dictionnaire, maintenant ça ne sert plus à rien, donc je dirais plutôt quand même un bon ordi. Don't worry, be happy. C'est surtout au début, quand je suis arrivé à l'ULB, les étudiants aux Jansons faisaient des paris sur l'origine de l'accent du prof. Bon, déjà, j'étais content qu'ils n'étaient pas tous convaincus que j'étais un flamouche. Du reste, je n'y vois que des avantages. Ce chat, on l'a trouvé dans la rue il y a 12-13 ans et on était persuadé que c'était une femelle, donc on l'a appelé Lily. Il s'est avéré après, quand on est vraiment allé chez le veto, que c'est un mâle châtré. Mais donc ce chat, il a un miaulement qui est juste terrible. Une bière belge. Non, la bière polonaise, ça vaut vraiment pas grand-chose. Autant j'admire Gandhi, autant je me reconnais plus dans Che Guevara.